Yo les mecs, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ce mode Squad Builder Challenge. On va tester deux challenges aujourd'hui, deux challenges de talent avec des gros packs à la suite. Donc ça va me permettre directement, en fin de vidéo, d'ouvrir des petits packs vraiment sympas et en même temps de faire ce petit mode toujours dans cette interaction, etc. Tu peux toujours lâcher ton petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et voilà les mecs, on part pour le premier défi. On va aller directement dans les défis création d'équipe avancée. Parce que quand vous allez, vous voyez, dans League, au final, c'est pas très intéressant. Alors certes, on a des beaux prix, entre guillemets, notamment le Jonas 87 ou même le Jovinko 86. Le truc, c'est que c'est pas intéressant. Pour information, il faut juste refaire chaque équipe de chaque championnat, et vraiment les mecs, il n'y a pas de défi en soi. Pour moi, ça ne rentre même pas dans le cadre du hybride challenge, je sais pas quoi. On peut forcément commencer tout de suite par l'hybride League. Pourquoi? Parce que je l'ai presque commencé et qu'à la fin, on va essayer de faire les deux autres pour voir si quand on réussit un défi total, vous voyez le défi hybride League en entier, est-ce qu'on a encore en plus une récompense? Peut-être, donc on va aller voir ça tout de suite avec le premier défi que je n'ai pas encore réalisé, 8 de folie, échanger une équipe de 8 ligues avec au moins 8 joueurs rares et un collectif de 88. Donc voilà, on va essayer de partir là-dessus les mecs, ça va être compliqué. Alors au niveau des critères, on est sur un 4-2-2-2 les mecs, il faut 8 championnats, une note de général de minimum 68, des joueurs rares minimum 8, un collectif de minimum 88 et donc forcément 11 joueurs dans l'équipe. Donc les mecs, je pense qu'on va partir directement sur une nationalité et ensuite essayer de les détourner en championnat. Par exemple, je pense qu'on va partir sur la nationalité française et on va ensuite essayer de trouver des joueurs français qui jouent dans des ligues un peu exotiques pour essayer de construire cette équipe en 4-2-2-2 et ensuite après forcément le collectif viendra et les joueurs rares, on va les chercher tout simplement. Ok, donc on va commencer par la Ligue 1. Sachez que j'ai un peu préparé l'équipe en amont, pour pas forcément arriver les mains vides et pendant 20 minutes faire « c'est compliqué quand même, non ?» Voilà, donc tout simplement. Donc, très belle imitation de Bourvil d'ailleurs, pour ceux qui l'ont reconnu. Pouce vert pour Bourvil. Donc voilà, c'est parti. Alors en MDC, on va commencer par donc forcément un joueur français. On a dit qu'on prenait que des joueurs français. Et on va commencer avec cette monnaie Coca-Cola du plus beau plaisir, avec la Ligue 1, les mecs. Et voilà, tout simplement, on va regarder ce qu'on a en MDC de Ligue 1. Moi, j'ai la Sanadiera, j'ai pas envie de vendre mon Sanadiera, donc on va aller sur marché et transfert. Vous voyez qu'il y a pas mal de petits noms sympas, voilà, tout simplement. Donc on va essayer d'en prendre un avec un gros général, de façon à hausser la note de l'effectif et de le payer pas trop cher. Donc on va aller directement du côté des Girondins de Bordeaux, les mecs, parce qu'ils ont recruté le petit Jérémy Toulalande, qu'on va essayer de recruter. Voilà, il est rare et il vaut pas trop cher, les mecs, donc on va essayer de voir ça. Donc voilà, Toulalan s'est acheté pour 700 crédits, c'est vraiment que dalle pour un joueur qui a 83 de général. Et je pense que Toulalan, ça va être un joueur très important pour les Squad Builder Challenge. On a enfin fini cette équipe, les mecs. Je pensais que ça allait me prendre 2 minutes, je pensais que ça allait être rapide, mais pas du tout. Ça fait 30 minutes que je suis sur cette putain d'équipe, à essayer donc de réussir ce défi qui est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Donc au final, c'est réussi. Alors comment j'ai fait? Alors bon, là, vous avez vu, j'ai fait une équipe 100% française, voilà. Enfin presque, il y a l'autre du UFC Metz là, mais ça fait un joueur rare. Le plus dur, c'était de trouver des joueurs rares qui soient pas trop chers. Parce qu'on va pas se mentir, c'est faisable si tu veux pas mettre... Si tu veux mettre des crédits, le défi, il est très simple. Hein. Moi, j'en ai des crédits, j'aurais pu les mettre. Après, je trouve que si t'essayes pas à chaque fois d'avoir les petits joueurs pas chers, etc., au final, tu perds de l'argent et je vois pas forcément l'intérêt de ce mode de jeu. Donc là, j'ai essayé de faire ça avec des moyens pas chers. Donc voilà, j'ai réussi. On a 8 joueurs rares. Il y a le gardien, qui n'est pas très connu. On a Debuchy, on a Toulalan. On a même le gardien, le joueur ici là qui s'appelle Taravel. On a Guilavogui, Toulalan, Gourcuff, lui qui s'appelle Boli, je crois. Voilà, Boli. Et notre petit milieu offensif central de Metz, que je ne connais pas. Donc voilà. Ensuite, comment j'ai fait? C'est très simple. J'ai pris les joueurs en fonction des championnats inconnus. Par exemple, j'ai mis Andy Delors. J'aurais pu mettre Gignac, par exemple. Je suis allé chercher un buteur qui, je crois, joue en Grèce, si je ne me trompe pas. En Ligue belge, pas du tout. Voilà. Je suis allé chercher le défenseur gauche d'Aston Villa, à ma ville, l'ancien niçois, qui joue donc en deuxième division anglaise. Debuchy, qui joue en division anglaise. Boli, qui joue en division portugaise. Division belge. Bundesliga, Ligue 1, etc, etc. Et au final, ça a marché. On va récupérer notre petit prix, les mecs. Allez, et ensuite, je vous montrerai l'autre défi. On a gagné 2000 crédits, donc au final, on n'est pas du tout gagnant. Alors voilà, je vous dis, les mecs, mais pas du tout gagnant, parce qu'on a dépensé plus de crédits, c'est sûr. Mais après, peut-être que niveau pack, on sera bien.
Allez, petit pack, on a deux joueurs or rares. Ça peut être sympa, on sait pas ce qu'on aura. Allez, directement, c'est Donnarumma. C'est pas du tout ça. C'est Perrine, c'est Viviano, l'ancien gardien de Arsenal, les mecs, si je ne me trompe pas. Donc voilà, avec Luis Muriel, on va lister les deux. Voilà, je sais pas si ça va se vendre. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ce petit défi-là, il n'était pas très très rentable. Et allez, maintenant, on passe au tout nouveau défi. Le dernier défi qui nous reste, c'est le défi hybride 10 ligues. On doit faire 10 ligues dans cette compétition-là, les mecs. On va essayer de le faire. Alors, il nous faut 10 ligues. Qualité exactement or, donc il faut que tous les joueurs soient or, pas or rare, juste or. Le collectif doit être de 100 et le nombre de joueurs dans l'équipe doit être de 11. Donc en fait, il nous faut 10 joueurs de championnats différents avec forcément un joueur qui peut apparaître dans le même championnat qu'un autre pour que ça fasse 11 tout simplement. Donc allez, on va essayer, les mecs, je me lance et là j'ai envie de partir sur un petit défi. On va essayer pas de prendre la France cette fois, mais de partir sur la nationalité espagnole, les mecs, et essayer de prendre tous les Espagnols qui jouent dans le monde entier. Vous pouvez commencer à réfléchir, vous, devant votre écran. Les mecs, je crois que je viens de finir ce... Oh, je crois que je l'ai fini. Je veux pas vous mytho ou quoi, mais je crois que j'ai réussi à finir ce truc. Alors lui, il ressemble au mec de Tech News et Test, hein, d'ailleurs, au passage, celui que j'ai acheté. Mais ça n'a rien à voir. Attendez, on a un gain, donc je vais aller voir ce que c'est. Merde, ils ont surenchéri. Vous ne l'aurez jamais. Attends, c'est mon joueur, celui-là. S'ils l'ont, on est baisé. Parce que celui-là, c'est le MOC espagnol qui joue à la Lazio. Il nous le faut. Il nous le faut. Moi, je suis prêt à lâcher les 1000 crédits. Voire plus si affinité, bien sûr. Mais il nous faut le petit Luis Alberto. Parce que j'ai vu, il est à 1500, etc. Il doit être un joueur utile pour les squad builders, je sais pas quoi. Donc, allez, on va faire péter les 1000 crédits. On a des crédits. Bim, 1000 crédits. Chez. Allez, est-ce que ça va passer? On sait pas. On sait pas. Là, t'as le suspense. Check, t'es devant ton écran, tu te dis. Je vais passer, Jorka. Mais non, il y a du suspense, je t'assure, Luis Alberto, il y a du suspense. Il reste 16 secondes, t'as forcément dans ta vie 16 secondes à passer devant la cinématique d'un Luis Alberto, peut-être acheté par le grand Jorka, on ne sait pas, 9 secondes, 8 secondes. La tension est à son comble, je vous vois déjà pleurer devant votre écran, c'est incroyable. On va la voir, on va la voir, on va la voir. C'est fait, mesdames, messieurs, c'est fait, il y a une manette qui trempe, ce n'est pas celle-là, c'est incroyable. C'est fait, on l'a fait. Je vous ai fait tenir 20 secondes devant Luis Alberto, un joueur inconnu de la radio. En tout cas, bah, moi, je ne le connais pas. Mais j'ai réussi. Défi réussi. Mais en tout cas, là, on va aller placer les joueurs dans l'équipe et voir si ça concorde. L'avion, bien sûr. Ok, donc au gardien, j'ai pris un gardien qui joue à Valladolid. Donc Valladolid qui est en deuxième division espagnole. Enfin, en Liga 1, 2, 3, Una Pocente, Balia. Ensuite, on a pris le défenseur de Bilbao et le défenseur du Borussia Mönchengladbach. Comme ça, ça fait deux ligues. Ensuite, en milieu défensif, on a pris Lopez. Lopez qui est donc l'Espagnol Barcelone, je ne sais pas le club. Obiang, West Ham, milieu défensif. Défenseur gauche, on a pris De La Bella qui joue à l'Olympiakos. Voilà, comme ça, c'est nickel. Défenseur droit, on a pris Jesús Gámez qui joue en Barclays Premier League. En milieu offensif, on a pris le petit Luis Alberto, tout simplement. En autre milieu offensif, parce qu'on aime les milieux offensifs dans cette équipe, on a pris Bafquef. De toute façon, c'est pas important, hein, le nom des joueurs. Ensuite, je crois que l'autre, c'est un Lyonnais, il joue milieu central parce que c'est intéressant de le prendre. Je l'ai acheté un peu cher, 1200 crédits, mais c'est vrai que son profil de Espagnol jouant en Ligue 1, c'est plutôt rare. Donc voilà, Darder, Sergi Darder, et en buteur, le petit Castro. Et les mecs, on va vérifier si ça marche tout de suite. 3, 2, 1, le suspense à son comble. Collectif est exactement 100. Merde, pourquoi j'ai pas 100? Attendez les mecs. Attendez les mecs. Yeah. Les mecs, j'ai pas 100. Ok, alors c'est le petit Darder qui n'a pas le bon poste. Ce n'est pas grave. On va être obligé de claquer un MC-MOC sur Sergi Darder. Voilà, mais c'est pas grave. Et donc là, normalement, on devrait avoir le collectif. Pas du tout. Donc voilà les mecs, là j'ai un problème. Je vais pas vous mentir, je n'arrive pas à réussir ce défi. Je n'y arrive pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, je suis face à cette équipe et je n'ai pas la réponse. Voilà. Centre collectif, je les ai pas. Je les ai pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Là pourtant, j'ai réussi le défi. Tout est réussi sauf que j'ai pas 100. Alors je me dis, est-ce qu'il faudrait que j'ai ce plus 1 sur un joueur? Mais c'est le plus 1 de quand on a joué 10 matchs avec lui. Mais j'ai pas envie de jouer 10 matchs avec cette équipe de salopes. Donc il se passe quoi? Le défi raté, c'est comment? Donc est-ce qu'il y a une technique que je ne connaîtrais pas sur ce nouveau fut? Je sais pas. En tout cas, c'est pour ça que j'ai m'arrêté là. Les mecs, j'aurais bien aimé ouvrir le pack joueur premium or. Le truc, c'est que bah je n'ai pas la réponse, tout simplement. Et je m'en remets à vous.
Alors le pack, vous l'inquiétez pas, je l'ouvrirai en vidéo. Mais là, je n'ai pas la réponse, les mecs. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, tout simplement. On s'arrête sur une défaite, hashtag défaite. Si tu as vu la défaite de Joe, tu mets hashtag défaite dans les commentaires, on comprendra tous. C'était Joe. Bah écoute, salut et aide-moi les mecs, aidez-moi, aidez-moi, je vous le dis.